Salut YouTube, bienvenue dans cette deuxième partie de Astalon. On a joué 2 heures, comme c'est indiqué tout à gauche. Et puis on va continuer. On va voir ce que ça donne. Attendez, si je me mets pas dans le jeu, c'est pas bon. Hop, et voilà. Alors, où est-ce qu'on va aller? Moi, je serais bien tenté pour aller en bas. Oh là là! On tombe direct quoi. Ah, qu'on arrive par derrière. Ils nous font rien les chocobos. C'est une bonne chose. Ah bah j'ai bien fait de venir avec le mage parce que. D'accord. Oh là là les salauds. Merde. Ça a ouvert le truc là-bas. Après, je fais quoi, moi? Je crève, a priori, mais... A priori, je suis là juste pour mourir. Il disait qu'il y avait un truc en bas. Ah bah oui, mais c'est l'autre ouverture. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Je ne poserai plus de questions idiotes. Du coup, on va récupérer de la vie. Il y a une note sur le corps. Les ruines qui sortent de la terre sont appelées les larmes de la terre. La planète se purge de son passé en expulsant de terribles souvenirs. D'accord. Si tu le dis, gros. Ah merde! Ils envoient plus ou moins loin, c'est con. C'est très bien ça. On peut aller. Ouais. Ah, il tombe. Putain. Il reste pas sur la plateforme. Sale con. En plus j'ai fait ça pour rien parce qu'il faut la meuf. Se termine ici, j'imagine que ça doit être Linus, le cartographe. Ah. On va attendre qu'il passe pour lui tirer dans le dos. Ok.
Est-ce que j'ai... Ouais, j'en ai une. J'ai une clé bluff, mais est-ce que je l'utilise là ou pas? Parce que j'ai des clés bleues à utiliser plus bas. Merde, ça marche pas. J'ai plus que 8 PV là. Je suis pas serein. Hein. Il y a les deux là. Ouf. Putain, l'autre qui me tire dedans là. Oh merde, en plus il fallait le... Oh, il fallait l'autre. Con. Ok, donc j'ai une deuxième clé. C'est cool. Putain, je vais crever. Ah bah non, il n'y a plus le cyclope, non? Ah. Pourquoi il y a des traces rouges en bas là? Ouf. Hein? Quoi? Y'a pas un petit bug par hasard? Petit tout petit quoi. Trois fois rien. Partout. Ah, je peux pas y aller. Ah, faut que je les bute. Quoi? Oh putain, j'ai touché. Comment tout ça marche-t-il? Comment arrives-tu à nous renvoyer là-bas? C'est une résurrection, une vague dans le temps et l'espace. Tout ce qui vit retournera à la vie, tel qu'ils étaient. Pierre et âme sont éternels, le temps et l'espace sont des concepts de mortels. Tout ce qui est immobile restera immobile. Cela répond-il à ta question? Pas du tout. Je pense comprendre un peu mieux. J'ai rien piché. Sérénité, porte-bonheur, mais il y a des trucs qui... Les trucs qui apparaissent là. Orbe de mort. Je sais pas ce que c'est moi tes orbes de mort là. Sérénité, porte-bonheur, je peux acheter quoi? Soif de sang. Cette tour est très sombre. Ok, donc j'ai racheté des bougies. Super, hein. Pour faire de l'encens et tout. On est bien. Hein. Le souhait mortel 1.
Les ennemis font 10% de dégâts, mais vous donnent 10% d'orbe en plus. Mais je veux pas ça, moi. Ah non, non, non. Comment on désactive ça? Je peux pas le désactiver? Peut-être fait une connerie en fait là. Peut-être fait une connerie. Peut-être fait une connerie. Là, il y a un truc bleu là. Peut-être fait une bêtise. Parce que je crève déjà toutes les deux secondes. Et en plus, là, je dois donner au jeu. Une occasion de me tabasser encore plus. Est-ce malin? Non. Ah, je peux tabasser ça. Ah, mais voilà. Oh, mais... Ah, j'ai le cœur de Gorgon maintenant. Attends, il y a ma souris qui me gêne, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une note sur le corps. L'ancienne armure noire peut soigner son hôte. S'il s'imprègne de sang. Bah de la thune hein. Ça m'a permis d'obtenir de la thunasse. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, je vais à droite, vas-y. Go. Et on peut pas avoir le bonus qu'il nous filait tout à l'heure quoi. Ça je peux l'avoir non? Yes! L'anneau des anciens. Qu'est-ce que c'est dit que ça me donne? Un objet ancien qui permet de localiser les objets sur une carte. Il faudrait que j'arrive d'en haut en fait pour que ça marche, ok. Mais attends, il y a lui maintenant. Il n'y a pas lui avant hein. Qu'est-ce qu'il fout là lui maintenant? Moi s'il rajoute des ennemis ça me va pas hein. Du vide.
Amulette qui permet l'emploi de portail de téléportation. Salut petit renard. Ça va, et toi? Ça m'a emmené où? Ok. J'ai ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. Pourquoi je peux aller en haut là? J'avais rien qui m'indiquait. Oh non, mais en plus, oh non, mais. Oh non, mais le jeu quoi. Ça va bien. Remis d'hier. Ouais, j'imagine. Ouais. Enfin, j'imagine. Enfin, tu t'es remis vite parce que. T'as quand même bien streamé et t'as bien wesh quoi. Donc déjà remis, c'est pas mal. Quoi? J'ai pas compris. 40 heures en 3 jours, ouais, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Clairement. Mais après, bon, voilà. L'important, c'est que. L'important, c'est que t'aies pris du plaisir. Ah, mais là, c'est fermé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, c'est fermé. Il faudra que je fasse le tour pour passer par là. Bah, ce jeu de l'infini. Oh mais merde, merde, merde. Ok. Je sais pas où je dois aller en fait là. Non, c'est ok. Voilà, je peux pas. Il est tellement cool ce jeu. Ah! Ah bah ça y est, on a refait bugger le truc. Je veux aller où? Je sais pas où je veux aller en fait. Ok, j'y suis déjà allé. On va récupérer de la vie. De me dire que j'ai fait une connerie, mais pourquoi je suis pas retourné directement à l'ascenseur?
En fait, j'aurais dû retourner directement à l'ascenseur, ça aurait été tellement plus simple. Là, à gauche, c'est fait. Et donc là, faut que j'ai forcément l'archère. Ah non, je peux aller là. A switch bite. J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Je sais toujours pas à quoi ça sert les petites pierres là. Et j'ai deux clés bleues. Tabasse-le. Bordel de bite. Je vais où? Est-ce que je peux essayer d'aller tout à droite? Ouais. Mais. Clé bleue là-bas. Putain, je me rappelle déjà plus. Je me rappelle déjà plus. Mais non, je viens de dire. Mais non, mais je peux pas. C'est sûrement un truc que je peux pas activer. Si, non, je sais plus. Oh là là. Oh le mec. Le... 2 secondes de mémoire. Hein. Évidemment que ça passe pas. Putain. Ah non, je peux. Alors, qu'avons-nous? Ah! Il est tombé, pauvre petit. Ah là, il me faut la... Ah non. D'accord. J'ai pu le faire. Ouais, voilà. Hop, parce que lui, il va m'emmerder. Ah! Ça va être chiant. Ouf! Ah! Crève! Non, mais crève, merci. Ça, tu vois, au hand vital. Le hand vital, j'ai juste envie qu'il crève. Ouf. Mais tombe. Non mais tombe. Merci. Qu'est-ce que je suis où? Je suis là, ok. Il y a du vent? Non.
On met du vent. Les bougies x4 et tout, je comprends. Je comprends rien. Ah, il est là. Non, il est vraiment super. Hein. Là, de ce que j'en ai pour l'instant, franchement, le jeu est top, quoi. Sérénité, c'est quoi sérénité? Allez, vas-y. Vous regagnerez le contrôle plus rapidement après avoir été touché. Ah. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais bon. Ah mais oui, mais c'est vrai. Oh. Oh. Pouit, 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 pouit. Pouit, 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 pouit. Non, non, vraiment cool, hein, Metroidvania, vraiment super sympa. Ah, on peut pas, pas d'accord, ok. Vas-y, ouais, on va monter. J'ai vu, moi, tu vois, j'ai vu plein de streamers y toucher et je connaissais pas du tout le jeu. Hein. Et j'ai vu plein de streamers dessus et là, je me suis dit, oh là là, mais il a l'air trop chouette, le jeu. Et du coup, j'ai piqué la carte bleue de ma maman pour me le prendre. Là ici on a tué notre premier boss. Plein de projets en ce moment, donc pas le temps. Je garde dans un coin de ma tête. Mets-le dans ta liste de souhaits Steam, quoi. C'est ce qu'il y a de mieux généralement pour pas oublier les jeux, quoi. Comment est-ce que je fais quand je vois un jeu qui a l'air cool? Liste de souhaits. Puis comme ça, en plus, c'est bien. Ça te permet de, ça te prévient quand genre pendant les soldes. Quand les jeux sont en solde. Ah mais merde, j'ai pas vu que c'est une... Oh merde. Une porte blanche là-bas. C'est vrai parce que ma tête est pas fiable. C'est pas moi qui vais... C'est pas moi qui vais dire quoi que ce soit là-dessus. Hein. C'est... Dans le genre zéro mémoire. Ah c'est vrai qu'il descend lui, pas gaffe. Et là il me faut l'archère. À moins que j'aille ailleurs. Attendez, je peux tirer ou pas depuis... Non je peux pas. Bon, je peux faire comme ça. Voilà.
Ok, tout à l'heure je suis allé à droite. C'est là que je suis mort. Ah oui, c'est là que je suis mort. Ok. Voilà, c'est quoi ça? Oh mais non, mais oh là là. Putain, c'est pas possible. Putain, mais c'est... Je me suis fait défoncer. Oh mais merde. J'en peux plus. J'ai le choix entre de me faire baiser par le petit fantôme là. Ou par les pics. Ah voilà. C'est bon. Alors les bots Talaria, qu'est-ce donc? Arias, bot ailé qui vous a. Ah. Qui ont appartenu à un messager divin. On va faire un dash. On va pouvoir dasher. À pouvoir dasher les enfants. Trop bien. Ah! Ok. Je saute. La carte est grande, ouais, et puis c'est juste ouf en fait. Là c'est juste vraiment le tout début. Hein. 155. Est-ce que je prendrais pas de la vie par hasard? Les petits éléments drogue comme ça de mourir et de c'est quand même pas mal hein. Enfin c'est assez original en fait dans un Metroidvania d'avoir ce truc en fait de quand on meurt désolé en même temps, je regarde la carte quand on meurt on peut s'améliorer quoi. Je vais prendre l'archère. Là tu vois, regarde sur la carte, tu vois, j'ai ça. Et tu peux voir en bas à droite, je suis qu'à 16%. Hein. Donc voilà, là... le truc est à peu près 8 fois plus grand, quoi. Faut mourir pour s'améliorer, ouais c'est exactement ça. Et où on va là? Qui va là? Non, je voulais aller en haut moi. Un sacrifice est nécessaire. Faut-il verser le sang pour savoir ce que vous désirez?
Quel sac ? C'est pour revenir, d'accord. Il y a un truc là-haut, non? Allez. Allez, j'ai fait céleste moi. Hein. Merde, marche pas. Je vais y arriver. Voilà. Bon, bon, moi j'aurais récupéré une clé bleue. Il y a un truc là-haut, c'est sûr. Mais je peux rien y faire. Ça c'est bon. Putain, je vais crever. Qu'est-ce que j'ai? Je peux aller en bas là. Faut que j'aille appuyer sur le bouton. Après, s'il y a un succès pour faire le jeu sans mourir, ah non, on est obligé de mourir une fois. Il y a un truc scripté voilà, au début, on l'a vu, où on est obligé de mourir une fois, au moins une fois. Re Blacky. C'est bon, il m'a pas touché, vous avez vu. Il m'a pas touché, j'ai pas eu peur. Hein. Ah là là, non. Je pourrais remonter. T'as pas la motive de stream ton échec. Comment ça hein? Ça l'a pas fait tes battes? Tes bottes? Il s'est passé. Il nous touche.
Et là, faudrait que je descende de trucs. Nope, le patronage est faux, il manque que 3 cm de tour de mollet. Ah! Putain, c'est dégueulasse. Elle est dégueulasse cette salle, hein! Elle est bien dégueulasse. Je recommande pas. Je peux arriver. Et qu'est-ce que ça fait si je vais ici? Ah. Tiens, raccourci. Je finis quand même le montage pour vérifier le reste du patron. C'est qui le patron? Bah, je suis bien désolé pour toi que ça ne... que ça n'ait pas marché. Ok. Bon, il n'y avait rien. Et re-petit raccourci. Ah, et je peux aller du coup en face. Oh. Alors le chocobo il meurt. Perdu une journée de taf quoi, moral la chaussette du coup, hein, bah alors. Ah non mais voilà, c'est normal, ça arrive. Ça arrive de se planter, c'est ça qui fait qu'on apprend d'ailleurs. Hein. C'est le principal processus d'apprentissage, c'est quand même l'erreur quoi. Donc faut pas t'arrêter là quoi. Pourquoi je fais 24 là? Pourquoi je faisais 24 de dégâts à lui? Ah merde! Il m'aurait fallu le magicien. Et ben on va aller chercher le magicien. C'est une semi-dépression parce que je m'attendais pas que ce soit... Attends. Attends, c'est une semi-déception parce que je m'attendais à ce que ça soit pas bon du premier coup. Bah voilà, bon du coup. Palapapam. Je vais faire le con, je vais me prendre les piques. Putain, c'était évident. C'était évident. Invincibilité, ouais. Non, mais on va reprendre de la vie et puis... Hmm.
Putain, je vais être obligé de retourner à l'autre bout là. C'est peut-être pas le plus court que je suis en train de prendre en plus là. Attendez, je peux descendre maintenant, non? Oh, je sais plus. Mais non, ça me sert à rien. Oh là là, c'est chiant. Non, faut que j'aille en haut. Est-ce que c'est là? Je sais même plus où j'allais. Je sais même plus où j'allais. Oh là là, ça y est, je suis paumé. Ça y est! Je suis en train de faire une Metroid Prime 2. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais. Ah, les filles me proposent de jouer pour me changer les idées. Bah, à toi de voir ce que t'as envie. Mais pourquoi je... Pourquoi ça remonte? Non mais j'étais remonté chez... Oh là, je sais plus. Oh, je sais plus! Oh, je suis perdu! Ah bah c'est là, je revenais ici en fait. Et il y avait quoi? Ah ouais, c'était la clé bleue là ici. J'ai pas le temps normalement, mais je crois que ça me ferait pas mal, pas de mal de toute façon. Bah des fois vaut mieux se prendre une un petit moment. Histoire de... Ah bah non, je peux pas y aller. Putain, mais c'est chiant. Je suis paumé. Des fois, il vaut mieux se prendre un petit peu de temps et puis à ne pas bosser. Pour pouvoir reprendre plus efficacement derrière. Clairement. Attendez, il y a un truc qui me dit. Que. Je peux aller en bas. À faire d'ici. Qu'est-ce que c'est que ce. Ah, maintenant je peux faire un dash, c'est vrai. Putain, mais merde quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a forcément un truc là dans cette salle. Parce que là, pour que je débloque ça.
Ça c'est fait. Je peux aller à droite. Encore, oh là là, mais il y en a 32 000 là. Si vous pouviez atteindre les monstres en envoyant le projectile, vous pourriez les vaincre. C'est ce qui pourrait arriver alors. Tu veux rire? Je suis en train de culpabiliser. Comment ça? Attends, je peux lui renvoyer ses merdes? Mais putain, non, mais comment je fais pour lui renvoyer ses merdes à lui? Je peux pas. C'est ok. Oh, putain. Je les déteste. Épée de miroirs. Oh là là, mon épée renvoie désormais les projectiles. Oh là là, génial. Oh putain, nul, nul à chier. Si j'étais pas nul à chier, ça serait super. Ah non mais... Et donc lui on va pouvoir lui envoyer ses merdes. Merde. Si un jour je sais jouer. Putain, c'est ouf. Putain mais c'est... Ah ça y est, regardez. J'ai réussi une fois. Non, j'ai vraiment réussi qu'une fois quoi. Oh là là, putain! C'est galère en fait! Oh là là, mais il me l'envoie pas assez loin. Oh, puis là, il me l'envoie trop loin. Salaud. Tiens, crève. Bâtard. Tiens. Ben, un jour, il meurt ou pas? Est-ce que vous pensez qu'un jour, il meurt? Oui, un jour, il est mort, ouais. Et eh bah dis donc. Et donc qu'est-ce qu'il arriverait si on pouvait envoyer? Et eh bah ça ouvrirait la porte. Ah. Comment ça? Et je vois bien qu'il y a un putain de truc là. Ah c'était un... D'accord. C'est un interrupteur. Je suis con. Je suis con. C'était un interrupteur. Un bouton saute. Bah oui, mais c'est le temps que mon cerveau fasse les connexions là. Putain, j'ai 8 pev.
J'ai 8 pèves, je vais crever comme un sac. Oui, c'est mort, attendez. C'est bon. Attendez, hop, je pars, je reviens. BAM! Hop, hop. Ah! Salaud. Tiens, pan. Hein? Mais comment je fais pour y aller là? Stop, hein, je... Je saute pas aussi loin. Bah voilà. Évidemment que je saute pas aussi loin. Et pour le culpabilité, parce que le dimanche, c'est avec toi normalement, pas avec les filles. Hein? Mais vas-y. Le dimanche, c'est avec toi. Non mais tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux de ta vie, honnêtement. Sans déconner. Ah non, mais je veux pas que le dimanche, ça devienne une occasion de culpabiliser. Hein. Oh, ça va pas. Elle est ouf. La meuf, elle est ouf. Bon, faut que j'y retourne. Ça fait chier parce que c'est loin, mais... J'avais qu'à jouer mieux. En même temps, j'avais qu'à jouer mieux. Dis le jeu est sympa, mais oui. Est-ce que t'as l'impression que moi je culpabilise là? Est-ce que t'as l'impression que je suis en pleine phase de culpabilisation de pas jouer avec toi? Non? Bon alors, bah fais pareil. Mais sinon je t'aurais abandonné, hein. Et moi, j'ai aucune raison de culpabiliser jamais, en fait, c'est ça le truc. Ah, oh, mais merde, j'avais oublié. Oh là là, c'est chiant. Ah, mais oui, alors attendez, peut-être que. Si je l'utilise, elle. Est-ce que je vais pouvoir buter ceux en haut là? Enfin, celui en haut. Merde. Merde. Oui, très probablement. Merde. Merde. Putain, joue mieux quoi! Je vais y arriver un jour. Mais bon, vous avez vu? Vous avez vu, j'ai réussi. Ah mais j'ai réussi des trucs infernaux sur Céleste. Et je vais pas arriver à buter un monstre. C'est ça le jeu? Bordel.
Le chocobo. On le bute. Tu te rappelles un cerveau bien con chez moi des fois. Mais il faut pas. Ah non, il me faut le magicien, non? Je sais plus. Oh non, mais oh là là, mais quel sac. Génie. Qu'est-ce que c'est là-bas? Qu'est-ce que c'est? J'ai peur. Ah! Et vous? Ah, un vieux! Un vieux! Ah, Algus! J'ai tant attendu ce moment! Vous me connaissez? On peut dire ça, oui. J'ai suivi tes exploits. Hein? Je te connais depuis ta naissance, tes aventures avec les chevaliers de cristal. Et ton pacte avec le titan de la mort. Comment pouvez-vous savoir tout ça? Qui êtes-vous? Peu importe qui je suis. Ce qui importe, c'est que tu es étroitement lié à tout ce qui se passe ici. Plus que tu ne le sais. Oh, il va crever. Il va crever direct. Il va nous claquer dans les pattes, le vieux. Ah si, le père Fouras. Non, je peux pas le faire. Étroitement lié, que voulez-vous dire? Le temps presse. Prends ceci. Il va crever, le vieux. Putain, Kamehameha, quoi. Une Pokéball? C'est une Pokéball. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague? Tout fera sens plus tard, mon ami. Je dois m'en aller. J'espère que l'on se reverra. Attendez, j'ai beaucoup de questions. Oh, voilà. Il est parti. Qu'est-ce que c'est que cette chose étrange? Bon, allons retrouver les autres. Ah mais ça me suit? Ça me tue. La balle de monstre. Ah, j'avais raison, c'est une Pokéball. Ah, c'est une Pokéball. Putain, le père Fouras nous a filé une Pokéball, quoi. Alors. Oh, on a tout fait ici. Oh, trop bien. Eh ben on va monter. Hein. Zoui. Qu'est-ce que j'ai fait après? Là c'est fait. Là y a rien. Y a plus rien. Là c'est fait. Bon, on va remonter. On va aller montrer la Pokéball à nos copains. On va dire, regardez, j'ai une Pokéball. Qu'en pensez-vous? Ils vont me dire, j'en ai rien à branler. Casse-toi avec tes conneries. Ah, se reposer. On va parler de la Pokéball. Vous avez croisé un vieil homme quelque part en vous aventurant dans la tour? Absolument. Il est assis à côté de nous. Sérieux, quelqu'un de vraiment vieux, en guenille avec une longue barbe. Non, ça me dit rien. Moi non plus, pourquoi? Je lui ai parlé brièvement, il semblait être très puissant. Il m'a parlé de choses étranges, mais peu importe. Un steak et des champignons. C'est pas banal ici. Hein. C'est incroyable, comment tu fais pour trouver ça? Ils sont tellement bons.
conseil d'avance. Vas-y, goûte. Avec plaisir. Alors, divin. Surpassé. C'est le même que la dernière fois. Tu manges pas? Parce que c'est ma mycose des pieds. Des bisous, number 80. Des bisous. Profite bien. Et si c'est l'ami que je connais, fais des bisous, évidemment. Faudrait que je prenne des nouvelles, d'ailleurs. On va remonter. Ah, mais pff, le pire saut du monde. Hein. Heureusement, bah voilà, j'allais dire heureusement qu'il plane un peu lui, mais évidemment. C'était sans compter mon génie. Ça, on s'en fout. J'ai une AOE maintenant là-dessus. Comment ça se fait? Comment se fait-ce? Merde. On peut le tuer lui ou pas? Ah oui. Oui, oui, on peut les tuer. Ah! Il y a des mouches. Il y a des mouches qui font mal en plus. C'est plus dangereux à droite, donc je vais évidemment à droite, hein. Il y a des lions. Oh là là. Ce sont des racines, ou plutôt des veines, en posant les transporter à l'intérieur. Ah mais j'ai buté le cœur tout à l'heure là. Merde. Oh là là. T'as vu la petite porte là? Regardez ça. Comme ça, une petite porte là. Il est cache. Merde. Encore.
Ah ouais, ça va le toucher. Ah regardez, faut que je le touche comme ça en fait. C'est rigolo ça. De l'autre côté toi. Petit con. Bim. T'es mort. Voilà. On y va doucement mais sûrement. Ah ok, ça venait là, d'accord. Ça marche. En tout cas, ma nuit de sommeil a apporté ses fruits pour l'assemblage de ma smell. C'était évident qu'il y avait un truc. Mais il me faut une clé bleue. Merde. Merde. Oula. Non, pas encore lui. Va falloir le tabasser ? Non. Ah ! Mais non, mais... Ah zut. Aïe. Ah mais j'ai mis la misère. Non. Ah il va dasher. Vite. Allez. First try GG hein, j'ai pas eu peur. Pourquoi on lui a mis la misère cette fois-ci? J'ai pas pigé. C'était pas le même ou quoi? Il nous a même pas parlé déjà. Déjà c'était bizarre, il nous a pas parlé. Tiens vas-y, on va te tuer comme ça toi. J'avais oublié que les trucs ils se cassaient. Je dois avoir que dalle en thune là. C'est... Hein ? Ah oui, il nous a filé plein de trucs lui. D'accord, ok. Cadeau. C'est quoi le cadeau ? Vous pensez que je vais me faire baiser ? Un cadeau ? Recevait la marque d'Epiméthéus. Algus peut maintenant lui parler à travers ses statues. Je sais absolument plus où elles sont, mais mais ça me fait extrêmement plaisir. Plus besoin de mourir pour s'améliorer. Ah, tu penses que c'est ça en fait? Tu penses que c'est le... En fait, il y a le shop, il y aura le shop dans les salles de machin. Ah, c'est pas con. C'est pas con du tout.
C'est quoi les points qui clignotent sur la carte? C'est les salles où il y a des objets à récupérer. Non! Putain de merde. Faut vraiment appuyer sur la touche O quand on prend un ascenseur, sinon quand on prend un escalier là, parce que sinon ça ne marche pas quoi. Quel débile. Ah merde, non. Oh là là, en plein sur ma gueule quoi. Ça pouvait pas être pire quoi, en plein sur ma gueule direct quoi. Trois rois ont discuté de paix en temps de guerre. Ils ont envoyé deux oiseaux, un à l'est et l'un à l'ouest, pour annoncer la nouvelle. Mais après quatre nuits, la guerre a été déclarée. Les rois, tous trois, périrent. Et qui a pas faire la guerre? La salle. La salle dégueulasse. Bonjour. Bonjour, c'est une salle dégueulasse. Ah bah oui, ah bah vas-y. Mais non. J'ai fait le con. Oh, il te pop direct sur la tronche quoi. Non, c'est pas là. Oh merde, c'est pas là qu'il faut aller. Super. Oh non, mais ils sont tous revenus. Oh mais non.
Je sais toujours pas à quoi sert la Pokéball. Hein. Va falloir que je revoie le vieux, c'est ça? C'est gros comme une maison, va falloir que je retrouve le vieux. Qui me dit... Oh, finalement, la Pokéball! Fallait la secouer! Je dirais... Ah bah ouais, super! Vous pouvez pas me le dire avant? Con de vieux. Bon, j'ai plus de clé par contre. Merde. Aïe! Putain de sale de la con. Oh, non! Ah putain, j'ai déjà plus de vie. C'est de la merde. Oh, non. Oh, c'est vraiment une salle à la con. Hein. C'est vraiment une salle à la con. Hein. Ah bah non, je peux pas. Ok, alors, comment on va se démerder? Ah non, je peux pas non plus. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ok. Quoi? Cher. Il a pris Chiro le copain. Hein. Putain, une clé bleue en haut. On va y aller tout doux, voilà. Pour récupérer la clef.
Ah! J'ai pas eu peur, hein. J'ai pas eu peur, c'est vous qui avez eu peur, hein. Ah là, lui il est mort. Là, moi j'ai de la vie. Putain mais crève, saloperie. Le chemin s'ouvrira à ce que les... chacun des quatre crânes brillera d'un feu ardent. Oh là là, la blague. La blague. Vous connaissez ce jeu ? J'ai pas eu peur, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur, j'ai pas eu peur, c'est vous qui avez eu peur. J'ai bourré. J'ai bourré comme jamais. Putain, mais ça a l'air d'être tellement grand. Qu'est-ce que j'ai foutu? Quel con. J'ai sauté à côté de l'échelle, quoi. Ok. Le vieux ? Regardez, ça va être le vieux là-bas. Non ? Ah non. Si, c'est le vieux ! Encore vous ? Tu es encore en vie ! Avec le pouvoir d'Epiméthéus, ce n'est pas une surprise. C'est exact. Et comme vous le savez... mon âme alliée à lui. Je suis comme mort. Mon enfant, tu dois savoir une chose. Même si tu payes ta dette à Epiméthéus, ton histoire ne s'achève pas ici. Que dites-vous ? Hey, comme je te l'ai dit, tu es plus important que tu ne le crois. Racontez-moi alors. Quel est mon destin ? Puis-je échapper à ma mort ? Dites-moi en plus, guidez-moi. Pour l'instant, ça m'est impossible, mais en temps voulu, tu le verras toi-même. Avant de partir. Ah, il m'a laissé un peu de lui avant de partir. Il a encore disparu. Cette chose, cette envie. Je sens que j'ai vu cette créature quelque part, elle n'a pas l'air très active. J'ai produit mes expressions faciales étranges. Allez, hop. Fermé et ouvert. Fermé, c'est ouvert. Fermé, ouvert. Putain, le vieux, il m'a laissé un peu de lui avant de partir, quoi.
Corps. Ouais, mais non, mais là ça me va pas là, non? Pourri ce combat là, j'ai crevé. Oh non! Oh non! Oh mais non! Oh mais non, ça vient vers moi là! Oh non! Super! Super, j'ai perdu 12 000 points de vie pour finalement rien. Ah, ça d'accord, ok. Bon, ça va. C'est bon esprit. Ça remet pas leur vie à zéro. Que genre moi avec mes deux points de vie, là, je sais pas où je vais aller. Hein. Heureusement, il est mort pile au même moment. Allez, bim! T'as une clé blanche, quoi. Tout ça pour une clé blanche. Oh! Ah putain, je suis tombé sur le seul mob, quoi. Il y avait un mob, je suis tombé dessus quoi. Et orbe de mort. Vas-y, vas-y, je vais tenter. Qu'est-ce que c'est ce truc? Vous pouvez désormais récupérer votre orbe de mort. L'écho d'une vie passée. Ok. Je sais pas ce que ça va me donner comme avantage, mais... c'est quand que je déverrouille un autre ascenseur là, parce que ça va être chiant là. Enfin c'est pas que ça va être chiant, c'est que c'est chiant en fait. D'avoir à tout me retaper à chaque fois. Je pense si je mourrais pas. J'arrive où? On va reprendre le chevalier là. Parce que il y avait des trucs là. Enfin, il y avait une porte à un moment là. C'est une porte à ouvrir avec le chevalier. Ok, donc bon truc à savoir, on peut se mettre à leurs pieds, donc c'est ça, c'est cool. Bah oui, c'était avec elle. C'est bien calme dans le coin.
Ah, un téléporteur. Ça me téléportise ici. Oh, mais tellement bien. Oh, mais tellement bien le téléportage là. Hop là. Ah. Non, c'est pas ça. Ok. Ah ? Clé rouge. Œil de gorgon bleu nécessaire. Et là-bas, je peux descendre dans la salle à côté. Très bien ça. Mais du coup, ouais, c'est ça que je peux faire. Je sais plus où c'était. C'était pas là. Quel sac. Ah, regardez, c'est tout à droite. Non. Il a mis la max. Ok. Ça va tellement vite, un peu comme ma vie. Un peu comme ma vie qui descend. Les deux vont aussi vite, j'ai l'impression. Ça va, 3, ça va. Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Oh mais merde. Ça me fait pas rire. Ah. Putain, c'est vital quoi. Je suis où? Je suis là. Ok. Ça, ça ressemble à une salle où faut que je défonce tout le monde, ça, non? Voilà le serpent. Le serpent, il avait des sous. Y'a un truc là? Oui. Ah oui, ah là oui, ah bah je dis oui, hein. Je dis mais tellement oui. Ah, c'est le truc dans les secrets, ok. Écoutez la musique du jeu. Achetez Vision, 3 fois. Ok. Finissez le mode. Je peux pas remonter par là par contre. C'est mort. C'est mort, je peux pas remonter par là, ça fait chier. Il me regarde pas. Ouais, j'ai pas tenu de la promesse, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce qui coûte cher? Lego des Titans. La... Mais j'ai... Hein? J'ai plein de trucs, des trucs nouveaux. Lego des Titans, c'est quoi? Ah! Je vais avoir les shops. La marque mortelle. C'est désormais l'endroit où vous êtes mort sur la carte. Ah! C'est bien aussi ça. Feu intérieur. Ah non, le feu intérieur, c'est... ça me fait plus de dégâts. Je le sens, mon âme me brûle. Ah, il me reste deux quoi. Bam, 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 bam. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Donc là, je vois là où je suis mort. C'est là que je vais vous abandonner YouTube. Hop, on a encore fait une bonne session. Moi, je vais m'accorder une petite pause. Des bisous. À la prochaine.